Que ta parole nous impacte. Que ta parole nous prépare aux grandes choses que tu as prévues pour nous. Que ta parole réoriente nos destinées. Et que cette parole emmène un grand sens de responsabilité dans la vie de chaque personne ici. Un très grand sens de responsabilité à cause de la pensée de ce message. Nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Lève la main droite, dis avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, Jésus-Christ est Seigneur. Encore dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, Jésus-Christ est Seigneur. Pour la dernière fois, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans cette église, seul Jésus-Christ est le Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Des offrandes d'acclamation pour Jésus. Ce soir, acclame sérieusement pour Jésus. Acclame plus que tu acclamerais pour le gouverneur, le sénateur, le chef de l'État, ou ton équipe de football préférée. Acclame et pousse des cris de joie pour celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur Facebook et YouTube. Avant de se mettre, il faut attendre. À vous tous qui êtes connectés sur Facebook et YouTube, soyez les bienvenus et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est dans les rôles protocolaires. Tu veux entrer quelque part, on ne t'a pas dit de t'asseoir. Tu te mets. Dis à ton voisin, reste debout. Ok, alors déplace-toi, salue 10 personnes et déclare une parole de bénédiction pour ton frère et pour ta soeur. Bénédiction sur ta fille, sur la vie de ton frère et de ta soeur. Christian, on peut m'éteindre ça. Parole de bénédiction, déplacez-vous, saluez 10 personnes. En tout cas, n'attendez pas qu'on vienne vers vous, vous allez vers les autres. Et bénissez votre frère, bénissez votre sœur. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? Merci, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Bienvenue ce soir à notre culte. On peut couper le son, c'est bon, suis la parole. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus à la porte des cieux ce soir et à notre culte d'enseignement que l'on appelle couramment école de l'esprit et du réveil. Évitez-moi les mouvements dans la salle, que tout le monde soit debout à part les protocoles et les caméramens qui sont en train de travailler. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on est prêt pour ce soir? Alors, je vous propose de lire quelques textes de la parole de Dieu avec moi ce soir. Restez assis, je vais lire. Amen. Nous allons lire. Nous commençons avec Jean chapitre 4, évangile selon Jean chapitre 4, versets 11 et 12. Jean 4, versets 11 et 12. Jean 4, versets 11 et 12. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses troupeaux. Amen. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits
et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Et plusieurs siècles plus tard, nous avons ce puits comme notre héritage. Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22. Il est écrit, « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Version Martin Bible, « L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. » L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Non pas à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Donc, il y a lui qui est possesseur. Il ne va pas léguer à ses enfants, mais il va léguer aux enfants de ses enfants. Ok. Version Darby, l'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. On va lire un autre texte, Exode 34, versets 6 et 7. Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Il y a plusieurs textes, on va lire peut-être un dernier et on va commencer avec le message du jour. Psaume 71, verset 8. Psaume 71, verset 8. Psaume 71, verset 8. Psaume 71, verset 8. Il est écrit, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente et ta puissance à la génération future. L'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas me laisser mourir, l'une des raisons pour lesquelles tu dois me garder en vie et m'assurer la longévité, c'est pour que j'annonce à celle-ci, cette génération, ta force, et à celles qui vont venir, celle qui va venir, c'est-à-dire la génération, ta puissance. » Psaume 78, verset 4. Psaume 78, verset 4. Psaume 78, verset 4. Il est écrit, « Nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer très fort. On peut acclamer mieux que ça. Maintenant, acclame avec une grande onction ce soir. Il y a une onction transgénérationnelle qui vient sur toi et qui quittera ta vie pour les prochaines générations. Alors que tu acclames, laisse que l'esprit de ce message te visite. Et vous qui êtes connectés, vous qui partagez et identifiez à vos amis, que Dieu se souvienne de vous. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. J'enseigne ce soir sur le thème les 5 clés pour bâtir un ministère à impact transgénérationnel. Alors, c'est la première partie ce soir. Je vais introduire. Et le mardi prochain, je vais maintenant aborder ces 5 points, ces 5 clés qui vous permettront à votre tour d'avoir un ministère qui a un impact transgénérationnel. Amen. Actuellement à Kinshasa, il y a plusieurs activités. On célèbre aujourd'hui
la vie du patriarche, l'anniversaire du patriarche Léopold Mutombo Kalombo, que je vous prie d'acclamer très fort. Et en même temps, là c'est à la 8e rue et à la 17e rue, il y a en cette même semaine un grand programme qui est mixte de la Grande Convention des femmes du CFMC et le Grand Symposium qui aura lieu aussi. Alors c'est un grand programme qui est organisé pour célébrer Dieu autour des 30 ans de l'existence du ministère que dirige encore le couple Olangi Wosho, c'est-à-dire papa et maman Olangi qui sont à présent auprès du Seigneur, mais qui ont laissé une grande structure qui fait en sorte qu'un leadership est établi et le travail est très glorieux. Ils achètent des terrains, ils achètent des salles en Europe et ailleurs. Une très grande église existe en Angola aujourd'hui. Les représentations viennent du monde entier pour ce programme et la cérémonie a été ouverte avec la présence très remarquée de Son Excellence, notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, Madame Simone Gbagbo, que j'ai rencontrée à Abidjan aussi, avec qui j'ai prié et j'ai donné quelques paroles du Seigneur, et était là où elle est encore là actuellement. Ce n'est pas n'importe quel ministère, c'est un ministère très très puissant. Amen. Le ministère CFMC que dirigeait Mama Olangi. Alors, lorsque nous parlons sur cette grande série, lorsque les généraux de Dieu s'en vont, vous avez vu sur l'affiche qu'il y a quelques visages des serviteurs de Dieu qui sont rentrés auprès du Seigneur, disons pratiquement ces 10 dernières années. Et quand on pense à eux qui ne sont plus, on pense aussi à leur impact aujourd'hui. Regardez, Maman Olangi n'est plus là, mais allez au culte d'adoration, vous serez choqués de voir le nombre de personnes présentes, le nombre d'autorités qui sont là en train de prier, et le nombre de témoignages de ce que Dieu fait, les gens qui ont le sida être guéris, des miracles s'opèrent, c'est extraordinaire. Le ministère du docteur Yonggi Cho, qui a laissé plusieurs églises en Asie, précisément une très grande église dont qui a eu un impact qui a couvert des décennies. C'est pratiquement 3/4 des membres du Parlement qui sont chez lui à l'église. Les autorités politiques, c'est la Corée du Sud, c'est ça? La Corée du Sud, c'est là où tu es? Ok. La Corée du Sud, c'est un impact incroyable. Il n'est plus là, mais l'église est remplie. Les âmes sont sauvées. Et l'Église continue à prier parce qu'il a beaucoup enseigné à l'Église l'importance de la prière. Et l'un de ses enseignements qui a aidé beaucoup de gens, c'est la prière avec pour modèle le tabernacle, la prière dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a d'autres visages qu'on a vus sur cette affiche. Un ministère comme Tibi Joshua, aujourd'hui encore, les lives, nous les suivons. C'est beaucoup de gens, des miracles se font, des délivrances ont lieu. Il n'est plus là, ils ne sont plus là. Mais le ministère continue à avoir de l'impact. Renard Bonke n'est plus, mais Daniel Kolenda continue à travailler dans son église, mais aussi dans le cadre de l'évangélisation dans le monde entier. Covid-19 a un peu dérangé, mais sinon, les récentes années ont été marquées par de grandes croisades avec des millions de personnes et des âmes qui ont été gagnées par centaines de milliers. Ma prière pour toi est que Dieu te donne un ministère, que Dieu te donne une vie. Même lorsque tu ne seras plus là, parce que bientôt tu ne seras plus là. Dieu seul sait en quel temps tu partiras. Mais lorsque tu vas partir, je décrète et déclare sur toi, après toi, tu continueras à exister. Mais tu existeras par les personnes que tu vas engendrer, par les structures et les systèmes que tu auras établis, par la multiplication qui va être manifeste. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le ministère de Jésus a explosé après sa mort. C'est après sa mort que son ministère a explosé. Parce qu'une semence ne peut se multiplier lorsqu'elle est dans un panier. Le principe de la semence, c'est que la semence se multiplie
Come on. Lorsqu'elle est mise sous terre, c'est ainsi qu'il est compliqué de tuer le terrorisme aujourd'hui, parce que même si Ben Laden est mort, mais son idéologie n'est pas morte. Ah, tu n'as pas dit amen. Même si Jésus-Christ était mort, le nôtre est bien plus, il est ressuscité, mais sa philosophie n'est pas morte. Gandhi est là, mais sa philosophie est là. Luther est là, mais ses citations sont là. Le docteur King, pardon, là je parle de Martin Luther, le docteur King aux États-Unis est mort, mais son héritage continue à être perduré. Ma prière pour toi est que tu aies un impact transgénérationnel. Que 3 générations après toi parlent de toi. Que 4 générations après toi continuent à parler de toi. Voilà pourquoi il est plus que temps pour toi de ne pas vivre que pour les boucles d'oreilles, de ne pas vivre pour les habits, de ne pas vivre pour le téléphone, de ne pas vivre pour un ex, de ne pas vivre pour le mariage, de ne pas vivre pour le succès, mais de vivre pour une vie qui sera tellement impactante que lorsque tu ne seras plus là, on parlera de toi. Il y a un homme de Dieu qui a dit concernant le Nigeria, il a dit ceci: aujourd'hui sur la terre, qu'on le veuille ou pas, le ministère de Benson Idahosa a impacté le monde entier. Tout être humain sur la terre qui est chrétien, pratiquement dans le milieu évangélique, il a été directement ou indirectement impacté par quelqu'un qui a été impacté par Idahosa. Et c'est la vérité. Regardez bien l'histoire de l'église aujourd'hui. Directement ou indirectement, quelqu'un a été impacté par quelqu'un qui a été impacté par Idahosa. Idahosa, à son époque, lorsqu'il invitait Benny Hinn venir prêcher au Nigeria, il invitait Benny Hinn à la période de la saison sèche. Parce que ses programmes à l'extérieur, il les organisait pour les inviter à l'extérieur en saison sèche, comme nous le faisons tous d'ailleurs, pour éviter la pluie. Mais Idahosa, lui, ses croisades, il ne les organisait qu'en période de saison de pluie. C'est pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie était tellement sur lui qu'il aimait défier les gens. C'est quand il pleut qu'il ne fera pas appel à des jumeaux. C'est quand il pleut qu'il ne fera pas appel à des féticheurs. Quand il veut commencer à pleuvoir, il lancera le défi et vous dira, ah, sinon à ma parole, la pluie s'arrête maintenant. Et Benny Hinn lui a dit non, par rapport à mon programme, je ne serai pas être là, je ne peux être là qu'en période de saison de pluie. Il dit non, c'est compliqué pour toi parce qu'il peut pleuvoir. Il dit non, Dieu est là, Dieu te contrôle. Benny Hinn est venu et il a plu pendant que Benny Hinn prêchait. Et Idahosa était à un niveau où il prêche, il appelle Benny Hinn my son. Il impose la main à Benny Hinn. Vous qui avez peur de Benny Hinn, peur des blancs, peur des occidentaux, lui n'avait pas peur parce qu'il avait un esprit supérieur. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Je répète ici, que Dieu te donne un esprit supérieur. J'insiste, que Dieu te donne un esprit. Notre génération des francophones est tellement complexée qu'il y a des personnes qui étaient censées être vos fils spirituels, vous en avez fait vos mentors et vos pères spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, ils sont au Ghana, ils sont au Nigeria. Mais vous n'avez pratiquement que 20 ans, 30 ans de ministère pareil. Vous, ainsi que, il faut avoir aujourd'hui la mentalité de ces panafricains qui ont parlé devant le président Macron. On doit arrêter cette relation d'aide, mais une relation de partenariat. Il y a un temps, tu regardes quelqu'un, il a plus d'argent que toi, il a une grande église par rapport à toi, mais il a la même année de ministère que toi. Prends-le comme un partenaire pour t'aider à avancer. Quelqu'un m'entend? Toi aussi, tu l'apportes ce que toi tu n'as pas gagné, ce que toi tu as gagné, hormis l'argent et la grande église, et vous échangez. Et non pas, il te prend en otage et tu commences à payer des billets pour aller le voir parce que seulement tu es impressionné par la grandeur de ses réalisations. Un grand ministère n'est pas caractérisé par la masse que cet homme rassemble, mais par l'impact transgénérationnel de son ministère. Le docteur King aux États-Unis n'avait pas une église de 500 personnes, son église avait 400 membres, mais il a dit « I have a dream » et jusqu'à aujourd'hui, « I have a dream » continue à avoir de l'impact. Quelqu'un peut dire « Amen ». Dis à ton voisin, je vois ton ministère avoir un impact transgénérationnel. Alors quand je vois les ministères comme celui de Mama Olangi, Papa Olangi,
Je me dis, est-ce que moi, quand je ne serai pas là, j'aurai des hommes et des femmes qui auront tellement cru en moi qu'ils continueront à venir au culte. J'ai prié chez maman Olang, j'ai vu les visages que je voyais être là. J'ai dit, donc, leur présence ne dépendait pas du papa et de maman. Et au-delà même de ça, les récentes années, les 5 dernières années, maman Olang, papa Olang ne venaient pas beaucoup au culte. Ils étaient souvent en Afrique du Sud. Ils avaient eu quelques petits soucis, soucis de santé, soucis politiques. Ils étaient loin du Congo. Mais les gens continuaient à venir. Parce que c'était au-delà Rabassandé. C'était au-delà de « Daddy est là, je viendrai. Daddy n'est pas là, je ne viendrai pas. » Ce sont des gens qui ont tellement cru au message, qui ont tellement cru en la vision, qu'ils étaient attachés à la vision en l'absence et en la présence des visionnaires. Voilà pourquoi je me pose des questions aujourd'hui après mon anniversaire. Est-ce que j'ai des fils et des filles aujourd'hui? Si je ne suis pas là, Dieu me prend et que je meurs aujourd'hui. Même si tu dis au nom de Jésus, ça peut arriver. C'est cet esprit-là qui a fait que les Noirs sont irresponsables. Il faut penser à la mort. Dis à ton voisin, pense à la mort. Regarde bien ton voisin, dis pense à la mort. Dis à ton voisin, on va tous crever. Change de voisin, dis on va tous crever. Dis à ton voisin, on va tous y passer. C'est la vérité, non? Est-ce que c'est vrai? Tu dois commencer à penser à la mort. Sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Ok, on est dans quelle poésie? Le laboureur, et c'est, dis à ton voisin, sentant ta mort prochaine, fais venir ton produit, tes résultats, tes enfants. Aïe, c'est important. En Afrique, quand on parle de la mort, ça veut dire qu'on appelle l'esprit de mort. Parler de la mort, ce n'est pas appeler l'esprit de mort. Parler de la mort, c'est montrer que tu es responsable. Et même, là je donne le conseil aux enfants. Il y a un certain âge, il faut demander à papa de voir les livrets parcellaires. Oui. Hein? Madame, il y a un certain âge où il faut demander à ton mari de voir les livrets parcellaires. La plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes des veuves qui restent nulle part, habitant chez leur grande sœur ou leur petite sœur, parce que la maison a été ravie. Et c'est le jour de la mort qu'on a découvert au fait que, dans le testament, la maison appartenait à ses frères et sœurs. Il est plus que temps, là où tu es, de commencer à préparer ton testament. Ce n'est pas appeler l'esprit de mort, c'est être responsable. Parce que tu protèges ta femme et tu protèges tes enfants. Autrement, c'est l'irresponsabilité. Dis amen bien. Bientôt, je vais préparer mon testament. Oui, oui. Le prophète ne parle jamais pour rien. Si Daddy parle comme ça, c'est qu'il va mourir. Je ne vais pas mourir. Mais tôt ou tard, tout tard, on va tous crever. Torolia, pao. Les Kenois disent toko. Daïe. Ton salanini. Ton roi. Quoi encore? Ton rocachoa. Ton salanini. Hein? Ton daïchou. Dis à ton voisin, daïchou arrive. Te chercher. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, moi je suis d'abord me marier. Et si Jésus revient, on ne reviendra pas. Écoutez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? En tout cas, ça, coupez ça, mettez ça partout sur Internet. Si Jésus, avec son Père, doivent attendre que toutes les promesses que Dieu a faites aux chrétiens puissent s'accomplir, Jésus ne viendra jamais. Oui, chacun ici a des promesses. Si Dieu doit attendre que les promesses de tout le monde s'accomplissent pour que Jésus revienne après, il ne reviendra jamais. En d'autres termes, il y a des gens qui vont être déçus. Ils vont aller au ciel. Donc tu es en train de partir. Non, non. Là, je te dis, Yaka Wakamata. Attends. Non, non. Yaka Wakamata. On va t'amener au ciel. Il y a des gens comme ça, foufou, en moto, on attend, on a 6 heures. Au tien, on a gondoto, le poulet, tu es en train de manger le foufou. Là, au son de la trompette à la voix de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. Après, nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Eh,
Tu es dans un bon magasin Gucci à New York. Tu essayes le blouson là comme ça. Tu veux juste le. Dis à ton voisin, la trompette va sonner. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, tu dois penser à ta mort. Miles Monroe disait, la pire des tragédies n'est pas la mort, mais une vie sans but. La pire des tragédies, ce n'est pas mourir, mais c'est d'avoir eu une vie sans but. Une vie sans impact. Jésus dit dans l'Apocalypse, il dit à une des églises, il dit, vaut mieux que tu sois froid ou que tu sois chaud, mais pas tiède, parce que je vais te vomir. Dieu préfère quelqu'un qui est froid, païen. Dieu préfère quelqu'un qui est chaud, chrétien spirituel, que quelqu'un qui est ni chaud ni froid. Que ton oui soit oui. Oui, au moins c'est bien. Non, au moins c'est bien. Mais être... Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sans impact? Dans le bien, ils n'ont pas d'impact. Dans le mal, ils n'ont pas d'impact. L'histoire du bon samaritain. Cet homme descend de Jérusalem pour Jéricho. Quelqu'un est avec moi? Il descend de Jérusalem, Jéricho. On l'attrape, on le frappe, on le laisse là à demi-mort. Cet homme a rencontré trois catégories de personnes sur son chemin. Première catégorie, ceux qui l'ont dépouillé, volé, tué, blessé et laissé à terre à demi-mort. Deuxième catégorie, le lévite et les sacrificateurs qui sont passés par là. Troisième catégorie, le bon samaritain qui est passé, qui l'a pris, l'a mis sur sa monture, l'a emmené dans l'hôtellerie et a même payé en garantissant qu'il allait prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il repasse par là. Il y a trois catégories de personnes dans ce texte. Il y a ceux qui ont rabaissé cet homme, détruit cet homme. Il y a celui qui a relevé cet homme, protégé cet homme, sauvé cet homme. Mais il y a des gens là qui s'appellent les lévites et les sacrificateurs qui n'ont rien fait. Ni de bien, ni de mal. Ils passèrent par là, ils regardèrent, ils virent sur la montre que c'était l'heure de culte et ils partirent. Donc il y a des gens comme ça sur la terre qui sont sans impact. Dieu préfère que tu sois même méchant. Même la Bible l'a dit, hein, que ceux qui volent, volent. Ceux qui font du bien, fassent du bien. Dieu préfère quelqu'un au moins qui est décis, quelqu'un qui est dans la décision de faire du mal. Toi au moins, on peut te sauver. Dieu préfère quelqu'un qui est tout feu, tout flamme dans les choses. Dieu peut t'utiliser. Mais quand tu es tiède, on ne sait pas où tu es. Tu es là comme si tu n'étais pas là. Quand tu n'es pas là, c'est comme si tu n'étais pas là. Donc, ta présence est aussi... Ta présence est synonyme de ton absence. Ta présence est aussi sans impact que ta présence. Que tu sois là ou pas, ta vie ne représente rien. Cela ne sera pas ton histoire. Il ne faut pas... Quoi? Moustique. Et c'est fini. Ta vie ne doit pas se terminer comme ça. Tu t'es un peu fait remarquer, puis pas, la mort te prend et tu meurs. Tu ne mourras pas comme une moustique ni comme une mouche. Toi, ta vie aura un impact. Et tout commence lorsque tu sais pourquoi tu existes. Lorsque tu sais pourquoi tu es sur la terre. Maman Olangi, tous les dimanches, rappelait sa vision. Maman Olangi recevait des gens tous les jours. Elle priait toutes les nuits avec son mari. J'ai été influencé par son ministère. Très proche de la famille. Proche de papa et de maman, lors de leur vivant. Tu les vois totalement concentrés dans leur travail. On les a insultés, concentrés. Leurs fils spirituels ont quitté, concentrés. On a dit qu'elle avait les sirènes, concentrés. Tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait changer la vie. Elle a prêché le combat spirituel du début jusqu'à la fin. Ma prière pour toi au nom de Jésus est que ta vie ait un impact transgénérationnel. Acclame très fort là où tu es.
Je vais commencer par expliquer quelque chose avant tout. Vous devez déjà savoir que Dieu pense transgénération. Dieu pense au-delà, n'est-ce pas? Par-dessus, au-delà la génération présente. Et ceci se fait voir par ce que l'on appelle le principe de la semence. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu a mis dans l'homme, le mâle, la semence. Pourquoi Dieu a mis la semence que nous connaissons dans le spermatozoïde? Pourquoi Dieu a mis le principe de la semence? Parce que le principe de la semence, c'est le principe de la postérité. Le principe de la semence, c'est le principe du futur. Le principe de la semence, c'est le principe de la continuité. Le principe de la semence, c'est le principe du demain. Le principe de la semence, c'est le principe de la reproduction. Le principe de la semence, c'est le principe de la multiplication. Le principe de la semence, c'est le principe de la prolongation. Le principe de la semence, c'est le principe de l'élargissement, de la continuité. Pourquoi Dieu a mis dans l'homme, après l'avoir créé, des testicules, des spermatozoïdes? Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme avec une matrice des trompes et tout ce qu'elle a en elle pour porter, recevoir la vie de l'homme? Parce que Dieu pensait à demain. Ils ne vivront pas éternellement. Ils vont devoir non seulement se multiplier pour remplir la terre, mais ils vont aussi devoir être féconds pour perpétuer leur espèce. Genèse 1, verset 11, par rapport au règne végétal. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Genèse 1, verset 12. La terre écrivait, la terre, je vois des gens qui n'écrivent pas ici. J'enseigne, je ne vois pas, je vois d'autres gens qui n'écrivent pas. Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu dit, Dieu vit que cela était bon. Amen. Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence en lui, ce sera votre nourriture. Ce qu'on va consommer, ce qu'on va accepter, ce qu'on va consommer, devra avoir une herbe ayant de la semence. Frère, ta génération ne te consommera pas tant qu'en toi, tu ne portes pas la semence qui va reproduire la même espèce que tu es. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi Dieu a créé les arbres et les herbes? Il précise une espèce et il précise la semence. C'est parce que l'herbe sèche et la fleur fane. Psaume 90. Mais la parole de Dieu dure éternellement. Donc l'herbe peut sécher. La fleur peut faner. Mais puisqu'elle a une semence en elle, elle a la semence de la continuité. Dieu a créé l'homme aussi, il a mis en lui une semence. Dis avec moi la semence. Frère, la semence est une puissance. Voilà pourquoi dans la vie, tout est semence. Un regard est une semence. Une parole est une semence. Matthieu 13, on dit, mais la parole c'est la semence, parabole du semeur. Mais la parole c'est la semence. La parole c'est la semence. Ta parole est une semence. Ce que tu donnes est une semence. Il ne faut jamais blaguer avec la semence. La semence est le principe même de la vie. La semence, c'est une puissance inimaginable. Vous allez voir dans Genèse 47, versets 23 et 25, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Puisqu'il travaillait pour le Pharaon, il a créé une bonne affaire pour profiter au chef.
Il a acheté les terres, il a acheté beaucoup de choses. On l'a interdit même d'acheter les terres des prêtres parce que Pharaon avait un deal avec les prêtres qu'il devait profiter et jouir de leurs terres en tant que prêtres parce qu'il donnait une grande place au sacerdoce égyptien. Et Joseph dit à vous, auprès de qui j'ai acheté toutes ces terres, je vous donne de la semence. Lisez le verset 25. Ils lui dirent, tu nous sauves la vie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, nous serons esclaves de Pharaon. Dis à ton voisin, celui qui te donne une semence, t'a sauvé la vie. Change de voisin, dis celui qui t'a donné une semence, t'a sauvé la vie. On peut sauver la vie d'une génération en lui accordant une semence. Lorsqu'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de futur. Lorsqu'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de continuité. Lorsqu'il n'y a pas de semence, il n'y a pas d'avenir. Lorsqu'il n'y a pas de semence. Lévitique 11, verset 37. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Lorsqu'un homme est mort, quelque chose de mort en lui tombe sur une semence qui est prête à être ensemencée, cette semence ne sera pas impure. Dites-moi la puissance de la semence. Encore. Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur, a été une semence. Il a dit, si le grain de blé ne tombe à terre, et qui ne meurt, il ne peut pas produire d'autres. Nous tous, aussi nombreux que nous sommes, et que le Seigneur appellera dans les siècles à venir, à être enfants de Dieu par Jésus-Christ, par la voie du salut, de la repentance, vous savez quoi? Nous sommes tous et nous serons tous ce que nous sommes à cause du fait que Jésus est venu comme la semence du Père. Il est tombé à terre, il a été enterré. Et lorsqu'il sortait, il était le premier-né qui a produit plusieurs de la même espèce que lui. Ainsi comme lui était fils de Dieu, nous sommes tous aussi fils de Dieu en Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Dis à ton voisin la semence. Encore. Voilà pourquoi Dieu, dans le sacerdoce, vous allez remarquer, il avait interdit une certaine catégorie de personnes ayant des défauts corporels à entrer pour offrir les aliments de l'Éternel. Je vais lire pour vous dans Deutéronome 23, verset 1. Il est écrit, celui dont les testicules sont écrasés ou l'urètre coupée n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Lévitique 21, verset 20. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dâtre ou les testicules écrasés. C'était très long, le nez camu, il y a beaucoup de défauts corporels, mais notamment celui qui a les testicules écrasés. Pourquoi Dieu a dit, ce genre de personnes ne pourront pas faire le sacerdoce. Ce genre de personnes ne pourront pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Tout simplement parce qu'ils ont des testicules écrasés. Et Dieu avait horreur de ça. Un homme qui a des testicules écrasés ne peut pas entrer dans le sacerdoce. Un homme qui a des testicules écrasés ne peut pas prêcher la parole. Un homme qui a des testicules écrasés ne peut être ni apôtre, ni prophète, ni docteur, ni évangéliste, ni pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'incapacité de se reproduire. Et dans l'église corps du Christ, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu ayant les testicules écrasés. Ils prêchent bien, elles chantent bien, ils modèrent bien, mais ils n'ont pas la capacité de se reproduire. Il n'y a pas de ceux autour de lui qui le ressemblent, qui peuvent faire ce qu'il fait en son absence, comme si lui-même il était présent. En quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un homme est un père? C'est dans sa capacité à se multiplier, à se dupliquer. On peut regarder, on dit, lui, c'est Joël Francis Tate. Je laisse un peu la porte de ceux qui ne chassent ça. Allez à Bukavu, vous allez voir le prophète Ézéchiel Sankinka. Quand vous le voyez, vraiment, quand tu le vois, même moi quand je suis là, j'ai peur. Je dis, j'ai l'impression d'être devant moi. Le prophète Ézéchiel est mon fils qui est venu me voir à Bujumbura vers les années 2013.
2013, 2014. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça fait des années qu'il me suit. Il venait à Bujumbura en camion. Il quitte Bukavu, Bujumbura. Il est un homme de Dieu. Il est jeune. Mais il était beaucoup plus jeune que ça à l'époque. Il n'était même pas encore marié. Il venait, je prêchais, il jouait au piano, je priais pour lui, il tombe sous l'onction, il se relève et deux, trois jours, il part. Il venait chaque fois pour me servir, chaque fois pour être avec moi. Il n'y a même pas l'argent qu'il fallait, mais il était là. Très courageux. Et je suis allé avec le prophète, avec Christian. Christian peut témoigner, tu peux lever la main. J'ai beaucoup de fils, mais je ne mange pas la dîme de tous les fils. Ézéchiel envoie sa dîme. Christian, combien de fois par mois? Non, chaque mois. Chaque mois. Depuis combien d'années? Je dis, chaque mois, je peux être là, il t'écrit. Papa, j'ai envoyé ma dîme chez Christian. Chaque mois. Il a été constant, d'une constance que je n'ai jamais vue. Il s'est marié avec l'une de mes filles, je me rappelle. Tu te rappelles qu'on était au Rwanda en 2018, hein? 2018, qu'on est arrivé, Jack aussi s'est engagé. Bon, Gabi, que Dieu aide Gabi. Et puis, Ézéchiel est venu. Bon, il ne m'avait pas dit ouvertement, mais c'est Christian qui m'a dit, ah, on dirait qu'il y a un mouvement entre Ézéchiel et Jemima. Et voilà, ils ont été mariés, ils ont été bénis par un homme de Dieu que je connais. Et quand je le vois, je me vois, en tout cas, c'est le prophète Ézéchiel, parce qu'il viendra ici. Il sera là en début du mois de décembre. Je vais le laisser prêcher ici. Quand il prêche, c'est moi. Donc, il n'a pas 30 ans, mais il bouge Bukavu. Il met des panneaux. Là, il a déménagé l'église. J'ai prié pour la parcelle. Donc, si tu regardes son âge et les choses qu'il fait, tu ne croiras pas. Il est de très loin, beaucoup même qui sont ici à l'église. Donc, quand je le regarde, je dis, j'ai engendré un enfant. Il parle comme moi, pense comme moi, s'habille comme moi, fait les choses que je fais. Il a la même ténacité. Donc, il est moi. Gabriel qui était ici. Gabriel. Si je le laisse travailler ici, même les tics, il y a des tics de moi. Donc, je regarde, je dis, mais oh, mais ça c'est moi? Parce que bien qu'un père peut engendrer un enfant ayant sa particularité, on doit voir même sur le visage que la morphologie, c'est celle de papa. Tu ne peux pas être enfant de cette église et tu ressembles à notre père spirituel, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être ici, tu écoutes plus quelqu'un d'autre, parce que la parole qu'on enseigne, c'est la semence qui entre en toi. Même si tu veux être mon enfant ici, même si tu es d'ici, mais tu produiras les fruits en fonction de la semence que l'on met en toi. Pas en fonction de là où tu pries. Oh, come on. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, à l'âge que nous avons aujourd'hui, même ministériellement, l'année prochaine, je pense aux 25 années durant lesquelles j'ai prêché la parole de Dieu, je ne peux plus travailler que pour avoir du succès. Je ne peux plus travailler que pour... Écoutez-moi, j'ai fait mes preuves. Je n'ai pas tout fait, mais j'ai fait. La foule, j'ai eu la foule. Les miracles, j'ai vu les miracles. Les voitures, j'ai les voitures. Poto, n'a que poto. N'a Covid. Donc, j'ai quand même fait certaines choses remarquables. Contre vents et marées. Je les ai fait, par la grâce de Dieu. Donc là où je suis maintenant, pour mes 20 prochaines années, quand j'aurai l'âge de l'apôtre Mutombo, vers ces âges-là, je dois aussi avoir à m'asseoir et à me dire, j'ai des gens qui m'ont emmené au repos. Je peux m'asseoir et j'ai des fils et des filles qui peuvent faire ce que moi je fais, même si je ne suis pas là. Sinon, ma vie n'a servi à rien. Elle n'a servi qu'à égayer la masse avec quelqu'un de populaire et après rien d'autre. Voilà pourquoi je dis les 5 clés pour bâtir. Dis avec moi bâtir. Dis à ton voisin, tu es dans la saison où tu dois construire. Tiens, il y a un temps où tu peux acheter des costumes. Il y a aussi un temps où tu dois penser à Maluku. $400, un hectare. Il y a un temps où tu peux penser à téléphone, voyage, Dubaï, $30,000, $20,000. Un temps, tu dois aussi penser à autour de mausolée, $5,000, parcelle.
Quelqu'un me comprend? Mausolée de papa Étienne Tshisekedi. Il y a un moment où il faut bénir les gens, un moment où il faut bâtir les gens. Pourquoi j'enseigne beaucoup dans cette église? Parce que je veux bâtir quelque chose. L'un de mes mentors, le pasteur Sam Adeyemi, de l'église Daystar au Nigeria, avec près de 25 000 membres, il raconte l'histoire de son entretien avec le docteur Oedepo. Il dit au docteur Oedepo, il dit, au début de son ministère, n'est-ce pas? Il dit au docteur, mais je fais tout, mais l'église ne grandit pas. Il dit, je fais tout, je prêche, mais je suis de quoi? L'église ne grandit pas. Docteur Oedepo lui a dit, il lui a donné le verset où on dit, ne vous lassez pas le faire du bien, parce qu'en continuant, vous allez moissonner au temps convenable. Vous allez moissonner en temps convenable. Et il a dit, l'histoire de la croissance de l'église, c'est l'histoire des temps convenables. Il y a des saisons où tu ne forceras pas. Tu vas commencer à moissonner. Mais avant de moissonner, sème. 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mardi, vendredi, dimanche. Papa, repose-toi. Never. Mardi, vendredi, dimanche. Grippé. Confo. J'ai fait la pub. Confo na maï, confo na ti, partout. Je dois prêcher. Prêcher. L'apôtre Moutomo m'a parlé, ça fait quelques mois. C'était l'année passée, je crois. Il m'a dit, fils, je veux te voir au bureau. Je suis allé chez l'apôtre Moutomo, je me suis mis. Il a mis ses lunettes comme ça. Et tu sais, il est très, très, très... Il fait peur hein, à le voir. Il m'a dit, je vois un peu ce que tu fais là. Parce que je venais de la Côte d'Ivoire. Il y avait le feu en Côte d'Ivoire. C'est l'année passée. L'année passée. Il y avait le feu, les onctions. Il dit, je vois ce que tu fais comme voyage là. À partir de maintenant, tu ne voyages plus. Je dis, eh. Et donc, ceux qui ont voyagé, il faut la postéter. Si je voyage, je ne dois pas poster. Si le vieux voit que je voyage, il va se fâcher. Il dit, non. Il dit, tu ne peux pas grandir une église en voyageant tout le temps. Il dit, non. Il dit, ah, il m'a dit quelque chose de fort. Ça, c'est l'espérance. Il m'a dit, Joël, pour que ton église grandisse et que tes gens deviennent comme toi, tu dois tellement les avoir prêchés que tu entres en eux comme une semence et tu meurs en eux et tu ressuscites en eux. C'est quand tu vas ressusciter en eux qu'ils vont commencer à te ressembler. Mais ça, c'est enseigné. Dimanche, j'ai parlé. Aujourd'hui, je parle. Vendredi encore, Talit. Deuxième partie. Tu n'as pas bien acclamé. Hey, Talit. Best teaching. Dimanche encore, avec les jeunes, je serai encore là. Parce que dimanche, on va saper si fort. Je te dis, on va déchirer. Dis à ton voisin, on va déchirer. Dis à ton voisin, on va déchirer. Et tout ça pourquoi? Jésus a dit, pour faire des nations de disciples, enseignez-les à faire ce que je vous ai prescrit. Quand on veut transformer un pays, on ne prêche pas, on enseigne. Quand on veut produire un changement radical, voilà pourquoi j'enseigne beaucoup. Parce que c'est l'enseignement qui peut changer les choses. Et vous ne commencerez à comprendre mon message que quand vous allez vous fatiguer de ça. L'homme spirituel. Encore. Frère, je vais revenir sur ça. Je vais encore parler. Je vais encore revenir. Je vais tourner. Yaro Tumba. Yaro Yita. Je vais parler parce que il faut que je meure en vous et que je ressuscite en vous, avec vous, pour que vous soyez comme je suis. Afin que vous et moi nous soyons un, comme le Père et moi nous sommes un. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, le pouvoir de la semence. Pourquoi autour des rois autrefois, les rois, les pharaons, le roi de Babylone, de Perse, les rois, les empereurs même, pourquoi autour de ces hommes, de ces femmes, des femmes des rois et des empereurs, il y avait des eunuques castrés, des personnes qui n'avaient pas la capacité de mettre au monde, parce qu'on se disait au cas où l'un d'entre eux
à un moment particulier, couche avec la reine, il y a une sémence qui va sortir d'elle et pourra déshériter toute la famille royale. On lui retirait la capacité de produire. Mais il ne faut jamais oublier, tout homme de Dieu est de Dieu, mais tout homme de Dieu n'a pas de testicules et une matrice. Un père a la semence et la matrice. Un père est un mâle et une femelle. Un père a la semence pour engendrer et la matrice pour protéger. Et les mamelles pour abreuver. Et c'est ça le père. Le père est une mère. Voilà pourquoi Dieu est une mère. Il est Dieu le Père, mais dans Ésaïe, il se représente comme une mère. Dis avance, prophète. Non, dis bien avance, prophète. Dis à ton voisin, et après toi. Je vais le dire haut et fort. Coupez cela, mettez ça sur Internet. Tous les hommes de Dieu appelés par Dieu dans une église ne sont pas tous appelés à sortir et commencer une œuvre. Tu n'as pas entendu. Je connais dans cette ville ou ailleurs certains qui ont la bonne volonté de bâtir une œuvre. Ils ont le zèle de rassembler les gens. Les gens viennent aussi. Mais tu as l'impression que les gens sont déconnectés du leader. Pas parce que ce n'est pas encore le bon moment, mais parce qu'il n'est pas appelé à être père. Parce que tout serviteur de Dieu n'a pas la semence. Tout serviteur de Dieu ne peut pas prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Il n'existe pas. Sans regarder Google ni Internet, il prie Dieu de donner des messages et des révélations. Ce n'est pas tout le monde. Voilà pourquoi apprenez à discerner. Il y a des fils qui ne commenceront jamais d'autres églises. Même pas les extensions de la porte des cieux. Ils resteront avec moi jusqu'à la fin de leur vie. Dites Amen. Amen. Le jour où tu vas aller commencer une œuvre, ce n'est pas que je te sens incapable, mais en toi tu n'as pas de matrice. En toi, tu n'as pas de testicules, tu n'as que la bouche et les mains. Oui. Tout le monde n'est pas, oh my God. Tout le monde n'est pas prédestiné par Dieu à engendrer. C'est faux. Rassembler les gens ne veut pas dire avoir un peuple qui va te ressembler. Non. Martin Fowler peut rassembler les gens. Moi, Scatoum, il peut le faire. L'UNC, même sans Vital Caméré, peuvent le faire. Rassembler, ce n'est pas un problème. Mais mettre la sémence dans les gens, est-ce que tu en as d'abord? Il y a des gens qui ne seront jamais CEO, ils ne seront jamais PDG, ils ne seront jamais pasteur principal, ils ne seront jamais représentant légal, ils ne seront jamais président. Non. Ils vont être des numéros 2, mais des fois plus puissants que le numéro 1. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. La vision de Joseph révélait que son père, sa mère et ses frères allaient se soumettre à lui. N'est-ce pas? Mais le schéma ne révélait pas que lui aussi allait être soumis à quelqu'un. Joseph n'était pas appelé à être pharaon. Joseph n'était pas appelé à être numéro 1 en Égypte. Il était appelé à être numéro 2, mais il a plus d'impact que le numéro 1. Tout le monde ne sera pas pasteur principal. Il y aura des pasteurs assistants, mais ils auront des fois plus d'argent, plus d'impact, plus d'intelligence que le pasteur principal. Mais quand tu veux toi-même être numéro 1, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi tout le monde quitte, tout le monde veut commencer. Et après, on regarde après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, ils ne sont plus là. Mais les gens auprès de qui ils étaient partis, ils continuent à exister. Bethel existe. ACK existe. Maman Olang existe. Vous voyez un peu? C'est des ministères qui durent après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais tous ceux qui ont quitté, ils sont où? Ils font du bruit. On ne sait même pas là où ils sont, ni l'adresse de leurs églises. Tout le monde n'a pas la semence. Tout le monde n'est pas appelé à être père. Tout le monde n'est pas appelé à nourrir un pâturage. C'est faux.
Il y a des gens, leur placer Joseph. Ils seront derrière toi, mais c'est eux qui vont manager. Ils seront derrière toi, mais c'est eux qui vont organiser. Ils seront derrière toi, mais ils auront un esprit supérieur qui va les aider à faire avancer ta vision. Oh my God. Il y a des gens qui sont nés pour interpréter la vision des autres. Joseph a eu deux rêves. Ces deux rêves l'ont emmené à être trahi, à être englouti dans le puits, à être vendu en Égypte. Ces deux rêves. Un jour, il se retrouve en prison. Il entend des autres parler de leur rêve. Il dit, ah, je vais commencer à interpréter le rêve des autres. Je ne rêve pas, mais je prends mon temps maintenant à aider les autres à comprendre leur rêve à eux. Mon rêve à moi, je ne le comprends pas. Mon rêve à moi, je n'arrive pas à le discerner. Parce que depuis ce que j'ai vu dans la maison de mon père, il y a que calamité qui m'a emmené jusqu'à la prison ici. Qui m'ont emmené jusqu'à la prison ici. Il dit non, je laisse mon rêve et j'interprète le rêve des autres. Et au temps marqué par le père, Dieu s'est arrangé à aller chez Pharaon, à lui donner aussi deux rêves. Pharaon fait les rêves. Et l'homme à qui on avait interprété le rêve, les chansons, a dit non, je connais quelqu'un qui ne rêve pas. Mais je connais quelqu'un qui sait porter le fardeau du rêve des autres et le faire comprendre ce qu'il ne comprend pas quand il a dormi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Il dit, amenez-moi cet homme. Lorsqu'il est là-bas, Shabrada Seke. Lorsqu'il est venu là, le roi a commencé à parler. Et en lui, quelque chose a été activé. La capacité, non pas d'aller dormir et rêver, mais de porter le rêve de l'autre, d'expliquer le rêve de l'autre, de stabiliser le rêve de l'autre, et même de lui donner la solution après qu'il ait rêvé, comment il doit traiter les problèmes. Le roi dit, non, un homme comme toi, on en a besoin. Tout leader cherche quelqu'un qui interprète ses rêves. Peut-être que vous ne savez pas. Un leader peut sacrifier un autre fils. Mais tout en gardant auprès de lui quelqu'un qui interprète ses rêves. Tout leader a un rêve qu'il ne sait pas interpréter. Mais des fois, il a juste besoin de quelqu'un qui peut comprendre ce qu'il veut, comprendre ce qu'il a envie de faire et prendre ça comme si c'était à lui et l'interpréter. Les leaders pleurent aujourd'hui, les pasteurs pleurent. Parce que des fois, on n'a pas les gens qui nous comprennent exactement comme on veut être compris. Dis avance, prophète. Et il a dit, j'interprète le rêve de Pharaon. Quand il a interprété le rêve de Pharaon, Pharaon a dit, maintenant, je te prends, je fais de toi numéro un en Égypte. Le trône seul me sépare avec toi. Il prend, il établit Joseph, numéro 2. Et c'est le jour où il a interprété le rêve de Pharaon que son rêve à lui. Parce que tu as prié ou tu as combattu. Même tu as scellé. Mais qui s'accompliront lorsque tu te concentreras à être derrière quelqu'un et interpréter son rêve à lui. Ton rêve t'emmènera des combats. Mais le rêve de quelqu'un d'autre t'emmènera des victoires. C'est un privilège que d'interpréter les rêves des autres. Un homme comme Joseph, père adoptif de Jésus, aura une grande récompense au ciel. Je n'ai pas dit d'acclamer. Si tu acclames, fais le bien. Dis à ton voisin la semence. Encore. Plus fort. Dis encore la semence. La semence, c'est le futur. La semence, c'est demain. Voilà pourquoi, autant que vous êtes ici, pensez toujours à après vous. Ici, j'aimerais parler aux responsables de l'église, du protocole, des médias, de l'intercession. Ne fonctionnez jamais comme si c'est vous et personne d'autre. Travaillez toujours avec la politique d'une doublure. Même le blanc sait ce qu'il fait. Dans l'industrie automobile, lorsqu'on crée un véhicule et que l'on met tout ce qu'il faut, on a toujours à l'arrière un lieu
enfoui où l'on met un pneu. On appelle cela comment? Pneu de? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut avoir un souci et puis on va remplacer. L'un de nos problèmes ici en Afrique, c'est ça. On ne pense pas à après nous. On ne pense pas à si je ne suis pas là. On aime même qu'il n'y ait pas de doublure pour que notre absence soit vraiment remarquée. Forme les gens, tu n'aimes pas former. Enseigne aux autres ce que tu connais, tu n'aimes pas enseigner. Tu aimes que tout tourne autour de toi, comme ça le jour où tu n'es pas là, que ce soit le déluge. Ça, c'est quelqu'un qui a les testicules écrasés. Oui. Il n'a pas eu la capacité. Un père engendre. Un père donne la vie. Un père est inquiet quand il n'y a pas quelqu'un qui peut continuer. Écoutez un peu la conversation d'Abraham avec l'Éternel. Il dit, voilà, je m'en vais sans enfant. Il n'y a qu'Eliezer ici, à côté de moi, ici, là, ça ne va pas. Je n'ai pas de postérité. Quelqu'un me comprend? Un père est inquiet quand il n'y a pas quelqu'un qui peut continuer ce que lui fait. Quand quelqu'un peut perpétuer sa pensée, sa mission, sa vision. Voilà pourquoi nous parlons d'un ministère qui a un impact transgénérationnel. C'est pour ceux qui ont des sémences et sont capables de se multiplier. Ma prière pour toi au nom de Jésus est que tu te multiplies. Tu n'as pas entendu. Je dis que ma prière pour toi est que tu te multiplies. Tu n'as pas entendu. Ma prière pour toi est que tu te multiplies. J'insiste encore plus fort. Ma prière pour toi est que tu te multiplies au nom de Jésus. Que ce que tu es soit vu après toi. Que l'on se dise, il n'est plus là, mais il est là au travers de cet homme. Et dans le plan de Dieu, ceux qui viennent après doivent toujours faire ce qu'ils sont avant. Voilà pourquoi Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront ce que j'ai fait et ils feront de plus grandes que ce que j'ai fait parce que je m'en vais auprès du Père. Ma prière pour toi est que ceux qui viendront après toi fassent plus et soient plus que ce que tu es. Dis amen très fort que je t'entende. L'un des grands problèmes que nous avons, est-ce que le batteur peut me donner un bâton? J'ai besoin de 4 protocoles. Courez comme des hommes. À part le contexte ministériel, sacerdotal, le continent africain a un sérieux problème aujourd'hui. Les choses s'améliorent peu à peu. Mais l'une de nos grandes crises a été une crise de légitimité. Légitimité, CENI, révision constitutionnelle, coup d'État, passage en force, demeurer au pouvoir. Tous ces termes sont très courants de notre jargon. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une Afrique où les chefs d'État n'aiment pas quitter le pouvoir. Les chefs d'État n'aiment pas abandonner le pouvoir. Quelqu'un a dit en Côte d'Ivoire, le pouvoir est doux. Hein? Monsieur Freeman Clark a dit ceci, phrase qui a été répétée par plusieurs politiciens après lui. Un politicien pense à la prochaine élection. Mais un homme d'État pense à la prochaine génération. Un politicien pense aux prochaines élections. Mais un homme d'État pense à la prochaine génération. Un politicien, généralement en Afrique, même chez nous, fait la politique. Et pour la plupart, c'est pour de l'argent. Pour la plupart, on manipule même les médias en notre faveur. Pour se faire entendre, discréditer les autres. À l'instar des États-Unis, même chez nous ici, on a des médias, nous le savions, ça fait des années. Ça, ce sont les médias de pouvoir.
Là, ce sont les médias de l'opposition. Le politicien pense aux prochaines élections. À faire quoi ? À gagner à tout prix. Mais un homme d'État, un homme de haute stature et facture, il ne pense pas à gagner. Il pense à, après les élections, qu'est-ce qui peut arriver ? L'un des pays que l'on appelle aujourd'hui en Afrique l'exception de l'Afrique, un pays où l'on reconnaît statistiquement que la corruption est vraiment au plus bas, presque inexistante. On appelle ce pays le miracle africain. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas, même d'Africains. C'est le Botswana. Le Botswana a connu depuis 1966 cinq présidents jusqu'à ce jour. Et en 2018, on a appris que Yann Kwama, président métissé, avait resigné, avait démissionné. Il venait de faire sa décennie. Après, il a dit, je dois le déposer ici pour laisser la place to the next generation. Et ceci arrive, pourquoi ? Parce qu'un politicien ne voit pas les choses comme un homme d'État. La force économique aujourd'hui du Botswana ne réside pas que par le fait qu'ils sont le troisième plus grand producteur de diamants. Beaucoup d'argent, un pays très stable. Si vous allez au Botswana, vous serez choqués. Mais parce qu'ils ont une politique stable. Chaque président qui vient gagne les élections et il reçoit la passation de pouvoir légalement et normalement. Les résultats publiés sont le résultat des urnes. C'est facile de dire qu'il faut aller voter, mais comment voter si tout a déjà été prédestiné, préétabli? La force, c'est d'aller voter. On sait comment ça se terminera. Parce que, dit-on, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Le bishop Tudor Bismarck, qui est mentor à moi, avec qui je travaille dans la coalition des apôtres de l'Afrique, a dit ceci. Il a dit, le continent africain est semblable à la course au relais, parce que leadership, que ce soit dans l'église, dans la politique, dans la famille, les choses se passent exactement de la même manière. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Et c'est une course c'est une course au relais. C'est la course au relais que vous connaissez. Il y a par exemple 4 ou 5 coureurs qui sont de la même équipe. Ils courent tous pour emporter la victoire afin d'apporter la médaille au pays qu'ils représentent. L'un court sa course, il arrive au niveau de l'autre et il passe le bâton. Et remarquez bien, lorsque l'un court, il court rapidement, tout le monde, chacun est à son poste. Et lorsqu'il court et qu'il arrive vers la fin de sa partition, il court vite, très vite, et il passe le bâton. Et celui qui est devant, que fait-il ? Il regarde en avant, tout en mettant la main en arrière. Comment ? Il a les yeux sur le futur et il a les yeux sur le passé. Quand les généraux de Dieu s'en vont, on ne regarde pas que le futur. On regarde le passé. Parce que ce qui te donne le droit légal de courir, c'est le bâton dans ta main. Quand un coureur n'a pas de bâton, il perd la légitimité de pouvoir continuer. Et dans le monde spirituel, le bâton, c'est ce qu'on appelle le manteau. C'est un homme de Dieu qui court. Quand il finit sa course, on prend son manteau, on continue. Et ça se passe comme ça, on continue. Mais regardez politiquement ce qui se passe dans notre continent. Tiens le bâton. Cours. Non, avance. Arrête-toi. Laisse le bâton. Toi, regarde devant. Retourne-toi. Prends le bâton. Avance encore. Stop. Fais tomber. Toi aussi, cours. Non. Laisse. Va de l'avant. Arrête-toi. Fais demi-tour. Prends le bâton. Va encore. Vas-y. Dépose. Ok. Lui aussi. Ah, dommage. Tourne-toi. Cours. Prends le bâton. Lève le bâton. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. C'est comme ça que ça se passe dans nos familles.
C'est comme ça que ça se passe dans l'église corps du Christ au Congo et dans les nations, surtout en francophonie. Le problème, c'est quoi? Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Un. Deux. Ce ne sont pas les hommes qui courent qui manquent. Le trois. Ce ne sont pas les hommes qui prennent les bâtons qui manquent. Quatre. Ceux qui manquent, c'est des hommes qui peuvent uniquement courir leur course. Tu n'as pas compris? Lui, il était là. Sa partition à lui, c'est de courir d'ici à là pour donner le bâton. Maintenant, au lieu de courir sa course jusqu'à la fin, il s'arrête en chemin, il laisse tomber le bâton. Lui, l'énergie qu'il a, la concentration qu'il a, son point de départ, c'est ici, pas pour reculer, mais pour avancer. Maintenant, lui, il est obligé de ne pas courir que sa course, mais de finir aussi la course de quelqu'un qui s'est arrêté en chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Le temps aussi que lui, oh my God, le temps que lui court pour donner à l'autre, l'autre équipe avait déjà avancé. C'est comme ça que d'autres continents ont avancé. D'autres nations ont avancé. Mais nous, ceux qui courent doivent courir et leur course et la course des autres. Et le temps qu'on arrive au bâton jusque-là, vous allez voir, la génération a déjà vieilli. Il n'y a plus de force. La course était déjà terminée. Et vous commencez à courir seul là. Il n'y a plus personne. Et ça, c'est la malédiction africaine. Pourquoi? Les enfants n'ont pas été destinés à courir la course des parents. Ouais, ce n'est pas le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous, on est obligés de combattre nos combats, de lutter nos propres combats et de lutter aussi le combat de nos parents. Pourquoi tu as des problèmes pour étudier? Pourquoi? Pourquoi tu as des problèmes pour te marier? Pourquoi tu as un problème de pauvreté? Pourquoi? Why? Pourquoi? Ce n'est pas toi. Si ton père s'était retrouvé, tes parents avaient tout stabilisé, tu allais comme l'enfant de DJ Khaled, te naître avec une cuillère d'or dans la bouche. Tu es PDG d'une industrie, tu n'as même pas encore 10 ans. Donc quand tu te lèves le matin, à 15 ans, tu es déjà millionnaire. Pourquoi chez nous il n'y a pas? Parce qu'il n'a pas une vision transgénérationnelle. On ne regarde pas la prochaine génération. Voilà pourquoi, sache que tout ce que tu fais engage tes enfants. Tout. Je te dis tout. Quand tu joues avec les fiançailles, quand tu te sépares avec ton fiancé, avec ta femme, tu fais n'importe quoi, tu ne sais pas que tu conditionnes les enfants. Au lieu de vivre leur vie, ils vont commencer à vouloir lutter avec les démons que tu as laissés. Le temps qu'il puisse vaincre cela, si encore il vaincra, et d'entrer dans ses propres combats, il est déjà fatigué. Il atteint déjà 60 ans, il a de l'AVC. Il commence à dire au Seigneur, prends-moi, nous on a déjà fini. C'est là que vous allez voir des mamans de 50 ans, 60 ans, elles disent déjà que nous on a fini la course, on est fini, maintenant c'est à vous de prendre le relais. Yawap. Ailleurs, on ne laisse personne, hein? Chirurgie. On fait monter la poitrine. On sait, hein, on sait. Le multicaté. Quelqu'un m'entend? Hein? Nous, aujourd'hui, les jeunes, les mamans là sont fatiguées, là, les mines. Ailleurs, le multicaté. L'église du Congo a un problème. Nous, aujourd'hui, on combat des esprits dans l'atmosphère. Parce que ceux qui étaient là n'ont pas ouvert le ciel pour nous. Et le temps qu'on puisse ouvrir le ciel, on a déjà 50 ans, 55 ans. Et on meurt même en chemin, avec des problèmes de foie et de gastrite, des AVC et des problèmes des reins, des diabètes. Je l'ai dit à quelqu'un aujourd'hui avant le culte. L'une des plus grandes crises de ce pays, du réveil de ce pays, c'est l'héritage que l'on n'a pas pu perpétué du réveil qu'on a eu il y a de cela 50 à 60 ans passés. Tel Osborne est venu en Afrique, au Kenya, il a impacté Haïdi Nabala. Tel Osborne est venu en Afrique, au Nigeria, il a impacté Benson Idahosa. Idahosa est allé aux États-Unis étudier, il n'a même pas fini l'année académique. Il y avait le feu dans les eaux. Gordon Lindsay l'a libéré, il a béni, il est rentré
au Nigeria. Certains même disent qu'il était un peu le bras armé de l'Occident pour mettre frein à la descente de l'islam dans l'Afrique subsaharienne. Ok? Mais peu importe les raisons politiques qui font la rumeur. Mais il est rentré avec le feu au Nigeria. Osborne l'a impacté. C'était son père spirituel. Chez Daosa ont vécu des hommes comme Johnson Suleiman, apôtre Guinée Cham, Dr. Sunim Kwenze. Ils sont du Congolais. Ils ont été chez lui. Papa Edinabala a été impacté par Dr. Osborne. Il est venu. Et même, ceux qui étudient l'histoire peuvent vous dire que les miracles que Dieu faisait par Edinabala étaient de trop loin que les miracles que Dieu faisait par Idaosa. Je n'ai pas le temps d'en parler, puisque je parle des généraux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comme on dit en anglais, what is the legacy? Quel est l'héritage de Fepakou Nzamemalam? Je ne sais pas en parler. Béni est là? Béni? Il est là? Ok. C'est Béni qui a travaillé dans le mausolée de Moussa Aïdine. Béni, il est là. J'ai prophétisé pour lui dernièrement. Je ne connaissais pas son histoire. Je lui ai dit, j'ai vu un homme prier pour toi en Swahili. Je vois Aïdine Abala. Il m'a dit, c'est exactement ça ma vie. Il est là. Mais quand il te décrit à quoi ça ressemble, et tu vas au Nigeria, tu vois comment des hommes comme Pasteur Chris Wakilo, mais des hommes qui donnent les plus de 1 million de dollars, 2 millions, 3 millions de dollars à l'homme qui les a formés, tu te poses la question, est-ce que le Congolais est maudit ou c'est les autres qui sont plus aimés par Dieu? Non, c'est les principes. Parce qu'on ne prépare pas la relève, on ne prépare pas ceux qui viennent après. Ils ont laissé les écoles, des universités. Leurs fils spirituels font même plus qu'aujourd'hui. David Oedepo a une grande université de référence dans le domaine de l'agriculture au Nigeria. Mais nous, on a quoi? On n'a que des talites. On n'a que des débats. On n'a que de l'ex-femme de tel pasteur musicien. On n'a que concert apôtre Robé Tamate, Robé Tamate. C'est tout ça dans quoi nous sommes. Vous voyez comment nous sommes réduits? Allez ailleurs. Moi, j'ai dit à quelqu'un, tu vas voir le réveil, va au Nigeria. Tu vas devenir humble. Tu vas dire, Seigneur, je suis maudit. Je vais recevoir... Et c'est le même Dieu. C'est juste ici. Parce que les choses n'ont pas été préparées pour aller. Il n'y a pas de livre sur Adinabal. C'est un frère qui était à la MAPRE qui a écrit le premier livre sur Adinabal. Un frère qui était à la MAPRE qui a écrit le premier livre d'Adinabal. Un frère qui était à la MAPRE. Tous les gens qu'il a influencés. On n'a même pas une biographie. Mais allez regarder sur Internet. Combien de livres il y a sur Idaosa aujourd'hui? Combien il y a sur Adinabala? Des gens ne connaissent même pas son visage. On n'a aucune vidéo, aucun clip, aucune photo. À part quelques-unes qu'on essaie de récupérer. C'est une malédiction quand dans un pays, on ne pense pas de génération en génération. Dis amen très fort. Je voulais introduire ce soir, j'ai beaucoup à dire. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est le schéma que je vous ai donné. Ça peut être applicable dans la famille. Ça peut être applicable dans la société, dans votre entreprise. Ça peut être applicable sur un plan beaucoup plus national, générationnel même. Qu'est-ce qu'on fait pour léguer à la prochaine génération quelque chose qui va les servir? Voilà pourquoi le mardi prochain, je vais aller en profondeur pour vous parler des 5 clés pour bâtir un ministère transgénérationnel. Je termine en ces mots. Jésus est au puits de Sichar. Il demande à cette femme de lui donner de l'eau. Cette femme commence un débat tribal. Elle dit, non, nous on ne parle pas avec vous. Il n'y a pas de lien. Et la femme dit, au fait, dis-moi, notre père
Jacob nous a donné ce puits. Il a bu l'eau de ce puits. Lui, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un peut dire amen. Cette femme a eu l'orgueil, la fierté, l'honneur de tenir tête à Jésus et de dire à Jésus, toi, qu'est-ce que tu as? Parce que regarde-moi ce que j'ai. Cette femme avait la fierté de parler parce qu'elle avait hérité de quelque chose de leur père Jacob. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quand ce n'est pas le cas, c'est un signe de malédiction générationnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire que ton père t'a laissé? Ta mère t'a laissé? Vos grands-parents vous ont laissé, si ce n'est pas les malédictions et les sorciers, les sorcelleries et les hôtels. Il est plus que temps que notre génération change de paradigme. Que ce soit par nous que les choses vont changer et vont shifter. À partir d'aujourd'hui, tu seras et tu deviens l'ancêtre d'une nouvelle génération qui va léguer un héritage qui fera même qu'après toi des centaines d'années, les gens diront « Une femme a vécu au Congo ». Un homme a vécu au Congo, il nous a donné ce puits et nous buvons encore jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Tu laisseras un héritage. Je dis, tu laisseras un héritage. Je prophétise, tu laisseras un héritage. Je te vois devenir un ancêtre, devenir un Abba, devenir une origine, une source, devenir un pilier, un socle, devenir une base sur laquelle les gens vont bâtir. Tu ne vivras pas une vie que pour faire du bruit. Le but dans la vie, ce n'est pas la prospérité, c'est la postérité. Oh, tu n'as pas entendu. Le but dans la vie, ce n'est pas la prospérité, mais c'est la postérité. Ce n'est pas combien on amasse pour nous, mais combien on amasse pour les prochaines générations. Je décrète et déclare que ta prospérité servira à la postérité. Que ta célébrité servira à la continuité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Lève-toi là où tu es, on va commencer à prier. Je veux que tu battes les mains et que tu déclares sur toi, que tu parles sur toi, que tu libères des paroles sur toi. Je ne serai pas stérile. Je ne serai pas énuque. Je mettrai au monde. Je vais là-bas là. Je te vois pas prier. C'est la prière de responsabilité. Vous êtes en direct et même ici. Votre passage sur la terre doit être signalé. Même à votre absence, que l'on voie ce que tu as laissé, ce que tu as donné, ce que tu as perpétué. Les rabababa chakara babasa. Et la babababa chende. Et la babobobo chata. Et le bébé bébé chande. Pour le bobobobo chan. Les rebébé bébé 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 chan. Le bobobobobobobo chanda la babasa. Je te donne 2 minutes, commence à parler. Ta parole est une semence. Je ne suis pas n'importe qui. Je vais laisser un héritage à mes enfants. Aux enfants de mes enfants. Même si je pars, mon entreprise va rester. Steve Jobs n'est plus là. Apple continue. Les rebeshara baba 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 ça.
Regardez les grandes entreprises. Elles dominent le monde jusqu'à aujourd'hui. Mais leurs initiateurs ne sont plus là. Il faut que tu bâtisses quelque chose qui va durer. Une entreprise, une culture, une église, un ministère, un héritage à la prochaine génération. Au nom de Jésus-Christ, lève les mains avec moi. Je décrète et déclare aujourd'hui que tu deviens l'ancêtre d'une nouvelle génération. Tout ne dépend pas de ce que tes parents t'ont laissé, mais ce que tu laisseras à la prochaine génération. Même si tes parents n'ont pas fait grand-chose pour toi, mais tu peux encore faire grand-chose pour les enfants de tes enfants. Ma prière pour toi au nom de Jésus est qu'en sortant de ces lieux, tu sortes avec un grand sens de responsabilité. Il ne faut pas construire des choses avec du bois. Non, tu dois bâtir avec des matériaux durables. Même quand tu ne seras pas là. Regardez les grandes entreprises dans le monde aujourd'hui. Leurs fondateurs ne sont plus. Mais il y a toujours des ventes. Il y a toujours des ventes. Les entreprises s'étendent dans le monde entier. Même quand tu ne seras pas là. Que ta structure demeure. Que ton héritage demeure. Et si tu as un héritage que tu as reçu, mais le diable combat pour te le ravir. Nous parlons ce soir comme les Naboth. Nous ne laisserons pas entre les mains d'Akab l'héritage que nous avons eu de nos parents. Dans le nom de Jésus, ta vigne est ta vigne. Ce qui est à toi, personne ne te le ravira. Je décrète et déclare sur toi la capacité de garder ce que tu as reçu, mais aussi de multiplier celle-ci. Sois béni, sois béni. Je libère la semence sur toi, sois béni. Tu es la tête et non la queue, le premier et non le dernier, en haut et non en bas, devant et non derrière. Tu es la semence d'Abraham. Tu es riche et prospère. Et par toi, l'Afrique verra un nouveau visage. Soyez béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont apporté leur dîme vont avancer et qui ont pris les enveloppes dimanche et dimanche antérieur peuvent avancer. Je vais prier pour vous ce soir. Emmenez vos dîmes rapidement. Les enveloppes sont là, avancez. Vous avez amené votre dîme, avancez, je vais prier pour vous. Alléluia. Vous avez pris l'enveloppe dimanche. Le dimanche d'avant, vous tenez à honorer votre engagement. Avancez, je vais prier pour vous. Nous sommes en direct de Facebook et de YouTube, Power Channel. Vous voulez participer à l'œuvre de Dieu, vous voulez semer dans cette œuvre. Le lien PayPal est là, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Tous les détails sont sur l'écran. Semez et croyez que la Bible dit vrai dans Genèse 8, verset 22. Les semailles et les moissons sont un cycle qui va demeurer perpétuellement. Vous semez, vous allez moissonner. Avancez rapidement, je vais prier pour vous. Levez les enveloppes, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces hommes et ces femmes qui viennent apporter leurs semences. Ici, c'est une dîme. Là-bas, c'est l'engagement que l'on vient honorer. Je prie que tu les bénisses et les multiplies, qu'ils ne manquent de rien, au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils expérimentent le Dieu d'Abraham, qu'il a enrichi lui, Isaac et Jacob, et même les 12 et Israël aujourd'hui après lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déposez sur l'autel. Nous allons faire deux offrandes rapidement.